C'est ce manque de personnel qui nous plombe. C'est-à-dire que j'estime que c'est pas normal qu'on travaille dans de telles conditions. Pour moi, c'est inhumain. Voilà. On n'assure pas notre sécurité, y compris la sécurité des résidents. On s'occupe, par exemple, d'une résidente. Il faut que ça aille vite. Il faut qu'on enchaîne. Et donc, on a le sentiment qu'on travaille à la chaîne. Pour moi, ce n'est pas du travail. Il faut prendre son temps, il faut dialoguer avec les résidents, il faut les transmettre un petit peu de chaleur, un peu d'énergie. Tout ça fait partie de notre job. On ne demande pas beaucoup de choses, on demande simplement qu'il y ait du monde pour travailler dans de bonnes conditions, tout simplement.